Mylène ? Oui. Enchantée. Salut. Moi, c'est Marie-Hélène. Voilà. Rentre, je t'en prie. Merci. Tu enlèves les chaussures ? Non, non, tu peux. Allez, on présente Flashy. C'est quoi comme race ? C'est un espagnol breton, oui. Ah, mais on voit rarement cette couleur. Exactement. Merci. Sylvain. Salut. Mylène. Bonjour. Xavier, mon mari. Salut. Et Raphaël. Voilà, moi, c'est Mylène. Enchantée. La garde jurassienne. T'as fait bon voyage ? Oui, ça va. Ça roulait pas mal. T'as commencé quand, toi ? Comme moi, depuis le 1er juin cette année. Ah, tu vois, ça fait 6 mois, bientôt ouais. 6 mois. Et puis toi ? Le 1er octobre 2013. Ça ah, t'as quand même un peu ans, plus oui. de vécu que moi de la profession. Oui, mais comment j'étais pas chasseuse avant, moi. Comment ça a été les débuts ? Petite, j'aimais bien vagabonder toute seule, oui. J'aimais bien partir un petit peu à l'aventure, comme tous les gamins ici. C'était notre terrain de jeu, en fait, la montagne, la forêt. Et c'est là que j'ai fait mes premières rencontres avec les chamois, les chevreuils. Et c'est vrai que cette passion, elle est intacte. J'en suis heureuse. Le premier souvenir, c'est quand on était petite avec mes sœurs. Nos parents nous ont amenés voir les génissons qui étaient au fond de la Voisson. Ils avaient amené du sel. Et puis en arrivant aux alentours, mon papa nous a dit « Allez doucement, il y a des chamois ». Puis nous, on ne les voyait pas. En fait, il y avait un grand troupeau, presque aussi nombreux que les génissons qui étaient au sel. C'était peut-être 50, 60 chamois. C'est vraiment fabuleux, quoi. Tranquille encore, mais on voit que le bouc commence un petit peu à chercher les femelles. Il se baisse un peu, il a sa crinière, on dit sa barbe qui est hérissée. Regarde comme il fait. Il marque son territoire avec ses cornes. C'est merveilleux, c'est la nature, c'est l'état sauvage. Avant, quand j'étais enfant, j'imaginais pas du tout qu'un jour j'aurais pu faire ce job. Et puis j'ai appris à connaître la chasse et le métier de garde-chasse. J'ai toujours pensé depuis quelques années, c'est vrai, je me disais pourquoi pas. Et puis j'en ai eu parler à des amis. Ils riaient, ils me prenaient pas au sérieux. Oui, c'était un rêve. J'y ai jamais pensé avant. En fait, je connaissais même pas franchement le métier de garde-faune avant. En étant gamin, on s'imaginait même pas, en fait, je crois, en étant gosse de la faune qu'on pouvait voir. Au départ, j'ai fait la laborantine médicale. J'ai travaillé là-dedans pendant un moment, à Berne. Puis après, j'ai voulu revenir au Jura. Et puis, je me suis inscrite à l'école de police. Et puis, j'ai fait gendarme. À cette place qui s'est présentée. Et puis moi, j'en avais un peu marre, j'étais un peu fatiguée des services de nuit, parce que je suis pas du soir ni de la nuit, donc en fait, pour moi, c'était le calvaire. Et puis, ben, j'ai saisi cette opportunité en me disant que je serais plus dans la nature qu'en ville avec des gens, et que ça me conviendrait mieux. Mmh.
où on veut aller. Le matin, je pensais qu'on pourrait faire ce qu'est Pleujouz Charmoye. Ça roule. On se donne rendez-vous plutôt dans la Baroche ou bien ici? Ouais. Quoi qu'on soit trop près du secteur quand les chasseurs arrivent, quoi. Ouais, on les laisse aller se poser et puis après on va à nous. Ça roule. Si ça joue pour toi. Bien sûr, pas de problème. Après avoir, je pense qu'il y a certains groupes qui veulent un petit peu opter pour les sangliers. Parce que bon, il y en a beaucoup qui ont fini leur chevreuil. Hein. Donc ici, je pense que ça peut être pas mal. Il y a aussi sur Bourignon, il y a toujours un petit peu ce... Sur le haut, là, oui. Puis on contrôle tout ce qui vient. On arrête toutes les voitures et on contrôle systématique. Oui, on peut faire ça. Ah, elle est là. Et qui ça? C'est le Rémi ou bien c'est son gosse? On dirait le Rémi depuis loin. Ça clope. Quoi qu'il se ressemble à celui de... Ça doit sûrement être... Ça doit sûrement être le Rémi. Attends. Il est placé sur un passage de gibier. Et vu que le chien vient de commencer de chasser au-dessus, c'est fort possible que le gibier descende ici. Il a voulu descendre ici, mais vu qu'on était là, ben, il est reparti. Il a cassé son cou. Il a cassé son cou. Pauvre Rémi. Oh, de Dieu. La chasse, je connaissais rien du tout. Donc j'ai dû apprendre les lois, le règlement, et puis voilà. Puis en étant dedans, et ben ça vient vite, quoi. Je pense que je vois la faune un peu différemment d'avant parce que je la connais mieux. Je connais plus les réactions des animaux, comment ils vivent. Où ils se tiennent, qu'avant, ben voilà. Je savais qu'il y a des chevreuils puis des sangliers dans la forêt, des renards puis des blaireaux, puis c'est tout. C'est clair, les animaux, on en voit, on s'en occupe le cas échéant, mais la grande majorité du temps, c'est des relations humaines, avec les gens qui nous appellent, avec les agriculteurs, avec les chasseurs, les pêcheurs, nos responsables, c'est ça. Bonjour. Salut. 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 Ça d'aller? Oui. Oui, mais bon, on a vu des chevreuils, mais pas ceux qu'on devait tirer. Et puis voilà, quoi. Mais c'est la chasse. Vous en avez au moins vu. Mais oui, mais. Oui. Non, mais on a encore pas mal vu. T'as vu un bouc, Pierre? Ah, t'as vu trois chevreuils? Mais la chèvre est venue vers le chalet, là-haut. Ah, d'accord. Elle me regardait dans le prix. Avec le petit? Ah, t'as vu un petit? Trop loin, alors. Ouais, et puis contre le chalet. Ouais, ouais. Ah, oui. Ouais. Ah, ouais. D'accord. Vous avez vos carnets? Oui. Ouais. Tu peux me donner comme ouais, ça? Oui, je te donne. Ça ne veut pas tous démonter, vous? Non. Je sais qu'au début, il y en a qui discutaient. Ah, des chasseurs qui disaient, ouais, ils en ont une femme, et puis on ne sait pas si elle va pouvoir faire et tout. Puis au final, ça s'est très bien passé. En tout cas, moi, il me semble, voilà, il y en a certainement, quand on tourne le dos, qui nous rigolent derrière, mais je pense qu'on soit une femme ou un homme, de toute façon, c'est pareil. Pigeon. Ouais, ouais. Ah, ça va, un peu tirer des blaireaux puis des renards, c'est bien. Moi, en étant déjà à la police, ben, c'est déjà un monde d'hommes, hein. Donc, ça m'a pas choqué. Mon père était gendarme. Depuis gamine, j'ai toujours vu des gendarmes, des hommes, voilà. Donc, je pense que ça aide aussi. Quelqu'un qui vient pas du tout d'un monde comme ça, peut-être que c'est un petit peu difficile. Merci. Tu peux nous ouvrir le coffre? Je pense que l'autorité, on l'a... Comment dire? On l'a ou on l'a pas. Mais moi, je pense que ça se passe bien. C'est bon. Je peux regarder tes housses? Les housses sont vides, pas de fusil dedans. Si cartouche en or. Ça tout bon. On aperçoit des cerfs, vu qu'il a neigé. Ils sont peut-être rapprochés un petit peu des villages.
ils ont peut-être longé le petit bosquet, là, à couvert. Là, sur ta droite. C'est le repos après la période des amours. Ils prennent des forces parce que... Ils ont perdu pas mal de poids pendant le rut, les sœurs. Regarde, il est sur son balcon. Incroyable. Facile à observer parce qu'ils sont très discrets la journée. Ça. Tout le temps, j'aurais aimé rester ici à Evolène. Mais mes parents m'ont poussé à faire une formation, à partir en plaine ou faire quelque chose pour gagner ma vie. Je suis partie faire l'apprentissage de fonctionnaire de police. Après, je postule au service La Chasse parce qu'il y avait un poste de secrétaire. Vu que là, ça me parlait un peu plus de retour un petit peu vers la nature. L'inconvénient majeur du secrétariat, c'est qu'on est enfermé dans quatre murs. Plus de 20 ans au secrétariat. L'hiver passé, je savais que le garde-chasse des Odères allait prendre sa retraite. Et puis, des mois et des mois avant, j'ai réfléchi, parlé avec mon mari, mes proches, mon envie d'essayer de postuler. Et puis, j'ai traversé des périodes de doute, c'est clair. Du fait que je suis une femme, c'est vrai. Et puis, mon mari et mes proches m'ont encouragée à essayer. Un jour, j'ai le téléphone de chef de service du service de La Chasse. Il me dit, écoute, Marie-Hélène, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu as choisi comme la future garde-chasse du Haut-Val-d'Hérain. Je crois que je me souviens pas très bien comment s'est terminé le téléphone, tellement j'étais émue, puis je me suis dit, il faut vite que j'appelle mon mari pour lui dire, quoi. Et puis ouais, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai appelé mon mari, puis il me disait, c'est pas vrai, tu me fais marcher. J'ai dit, non, c'est vrai. Au début, le téléphone fonctionnait beaucoup parce que j'avais un petit peu de problème à me rendre compte de l'heure. Je rentrais assez tard, alors... Ils m'appelaient disant « Maman, tu nous as oubliés » ou même qu'ils n'étaient pas seuls à la maison. Mais je perds toujours la notion du temps quand je suis seule en montagne, c'est vrai. Tu avais prévu quelque chose en plein. J'aime la compagnie des autres, mais j'apprécie vraiment la solitude. Enfin,
Être seul en montagne, et puis pas dérangé, quoi. Bon, ça peut arriver, comme quand il y a des attaques de loups, d'aller un petit peu vers les éleveurs et puis dire que ma foi, on va faire ce qu'il faut pour qu'au moins ils touchent une indemnité par rapport aux dégâts. C'est touchant de voir déjà des animaux domestiques qui sont blessés, qui sont agonisants. Et c'est vraiment quelque chose, un aspect que je ne connaissais pas. Ça va? Ok. Ouais. Tip top, je suis pas frais. Jamais. Elle va bien, toi, ouais. Premier jour de. Alors, il part jour de. J'attaque encore, il va bien, ouais. Ouais, tu n'as pas joué, quoi. Il est hein? Là, ouais. Non, je suis tranquille. Il a dit que les champs viennent. Il va bien. Tu n'as joué, rien, finalement. Oh, je pas, je suis espiée. 14, je sais. Ah, ouais, mais moi, je joue 14. Ouais, de rire l'attaque en juillet, hein. T'as une baille de Noël, t'en serais chaud quelque chose. Ouais, ouais, il reste chaud, quoi. Ouais. Oh. Il les achète, hein. Un souci, là. La carmène. Ouais, ouais, la carmène, moi. T'es que ça gentil, de me bien chocolat au Paris. Ouais. C'est pas évident. Il m'aime, il n'est pas pour chaud, t'es fait les grandes choses. La carmène, bim-bim, t'es que ça gentil. Alors, je pense qu'ils ont peut-être aussi plus de cœur, une femme, je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a vraiment bien aidée, moralement aussi. Hein? Ben, c'est gentil. Je n'avais pas l'impression de beaucoup t'aider moralement. Mais... Oh, quand même, si, si. C'était vraiment super. C'est touchant parce que les éleveurs, c'est tous les jours qu'ils travaillent avec les moutons, avec la campagne, et puis quand ils ont eu des mauvaises surprises comme ça. Mm-hmm. Ça peut pas laisser indifférent, hein. Oui. D'accord. Alors, je suis dans le coin, moi. Vous êtes à la ferme, là? Ouais, mais je veux venir sur place. Je suis là dans 5 minutes. Ça joue? Alors, c'est un agriculteur de Saint-Ursanne qui m'a téléphoné parce qu'en fait, il a découvert 2 chèvres qui ont été mangées par un animal, un prédateur, mais il sait pas quoi. Donc du coup, ben, je vais aller sur place pour voir ce qu'il en est, voir si c'est un renard, un lynx. Salut Talia. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, je viens pour sécher. D'accord, oui. On va aller poser cet appareil photo. Ça marche. Voir ce qu'il en est, puis voir, je vais regarder au cou ces blessures qu'elle a. Ouais, bon, c'est parfait. Extra. Parce que l'idée, c'est de poser les caméras. Ouais. Ouais. Qui se déclenchent en fait quand il y a du mouvement. Et puis si un prédateur revient sur la proie, ben, ça nous permet de savoir qui c'est. Voilà. Mais toi, disparu, hein? Non, mais c'est pas possible. Comme il me dit pas ce qu'il en fait. Alors en fait, apparemment le prédateur est revenu cette nuit et puis il a pris la bête et puis il est parti avec, mais on ne sait pas où. C'est quand même un métier, ben voilà, hein, faut pas avoir peur d'être sale, de rentrer dégueulasse, de sentir la bête. Mais la majorité des gens, ils connaissent pas le boulot qu'on fait, donc ils se disent oh, mais les gardes-faunes, c'est la belle vie, hein. Ils promènent en forêt toute la journée, ils font des petits tours en voiture, tranquille. Mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que même moi, avant de le faire, je ne me rendais pas parce compte. Sur celle qui a le cou, là, on voit quand même relativement bien, à mon avis.
Pour moi, c'est le lynx. Et on fait quoi dans ce cas-là? Ben, il faut que je prenne des informations par rapport aux chèvres. Enfin, quand c'est qu'elles ont été découvertes et puis tout. Et puis après, ben, je dois introduire ça dans un système informatique pour indemniser en fait l'agriculteur par rapport à la perte de ses chèvres. Allez, vous voulez. Alors en fait, c'est un appareil qui a un détecteur de mouvement. Puis au moment où il y a une bête qui passe, ça prend assez large. Hein. C'est pas, faut pas qu'elle passe ici pour que ça fonctionne. D'accord. Et si les chèvres, les poneys passent devant, ah ben, il n'y a pas de problème. On aura 1000 photos de chèvres et de poneys, mais d'accord. Ça fait rire. C'est pas grave. Après, on trie. Des fois seul, c'est long. Des fois des journées, alors ça dépend. Si on a une journée où on est hyper occupé et qu'on a des téléphones dans tous les coins et qu'on va d'un coin à un autre pour des interventions, ben, qu'on soit seul ou à deux, de toute façon, on ne voit pas la journée passer. Et puis il y a des journées où on n'a rien, puis on est seul et puis c'est long. Hop. Alors. Ça. Ah bon, on va le remettre ici. Hop. Voilà. Il n'a plus que la peau et les os. Ouais. Ouais, pour moi, il est déjà tout jaune, il est tout. Ouais. Tous les os sont jaunes. Ouais. Non, mais c'est bon, on va le remplacer. Moi, je la mangerai pas. Après, il y en a qui la mangeraient, enfin, mais... Enfin, tu peux le manger toi-même, si tu veux. Ouais, mais non, parce que c'est quand même un chevreuil. Ça fait certainement un moment qu'il souffre, et puis c'est comme une bête quand elle a la fièvre ou comme ouais, ça, je veux dire, on la mange plus. Oui. Vu que ce chevreuil-là, il n'est pas consommable, il va recevoir une boucle pour le remplacer, qu'il puisse en tirer un qui est en ordre, quoi. Les chasseurs, vous les pesez ou pas? On peut. On va voir si c'est plus lourd qu'un chevreuil. Ouais, ça va. Ça va. Il faut être vraiment bien forte pour aller rencontrer vraiment tous ces chasseurs. Parce qu'il y a aussi des caïds dans la chasse. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Le plus haut sommet que tu as sur ton secteur, c'est quoi? C'est la Dent Blanche. OK. Bon, depuis chemin, quand je suis là-haut, je vois aussi le Cervin. Ah ouais? Ouais. Ah, excellent. Je pense que la nature, ça apaise. Ah si. C'est quand on est vraiment en nature, je dis pas juste dans une bordure de village, mais qu'on est vraiment en pleine forêt, ben c'est hyper zen, quoi. Il n'y a pas de bruit à part les oiseaux qui chantent, le vent, la pluie. Mais c'est, ouais, c'est calme, ça apaise. Il est derrière les arbres. Ouais. Il est parti contre là-bas. Tu restes, Rachel. Tu restes. Floyd, tu l'as vu avant nous? Je pense que ma famille n'aurait jamais envisagé ça pour moi. Mais je suis sûre qu'ils sont tous très heureux pour moi parce qu'ils savent le plaisir que j'ai à faire ça. Alors, avec du thé, santé? Santé. D'ailleurs, je remercie tous les jours le ciel d'avoir ce travail. Il faut aller au bout de ses rêves et de ses envies, il faut essayer.